Mais là, c'est vraiment bien. Et il a présenté le curé d'Ars sous un angle autre que celui qu'on a parfois, sous un autre angle que celui qu'on avait l'habitude de présenter, où on voyait le curé d'Ars un peu plus comme un peu dans un autre monde, luttant contre Satan, les tentations, etc. Alors qu'il le présente vraiment comme un vrai curé et un vrai prêtre qui pourrait être un curé d'aujourd'hui. Alors voilà. Donc, il insiste moins sur tous ces problèmes un peu mystiques, mais d'un mysticisme des fois un peu douteux. Donc voilà. Donc, c'est à travers ce livre que j'ai puisé ce que je vous dis. Donc, vie de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. D'abord, la première chose que je vais tiens vous dire, c'est qu'il est né. Donc, c'est la naissance d'une grande vocation, mais dans un contexte religieux troublé et inquiétant. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, et je trouve que c'est intéressant, et ça va être la première méditation, de voir que quand l'Église va mal, Dieu fait naître quelqu'un ou plusieurs personnes qui deviennent des figures qui sauvent cette Église. Alors on peut se dire aujourd'hui, ça ne va pas tellement bien dans l'Église, mais peut-être que Dieu est en train de faire naître un saint providentiel qui va nous relancer. En tout cas, c'est mon espérance. Je commence comme ça. Et pourquoi je dis ça? Donc, le curé d'Ars est né à Dardilly le 8 mai 1786 de Mathieu Vianney et Marie Bellus, une famille de cultivateurs qui ne manquait de rien. Donc, il n'est pas né dans une famille très pauvre. Hein. Une famille, bon, c'était pas très riche, mais il manquait de rien. Et notamment, ils accueillaient beaucoup de pauvres. À cette époque, il y avait beaucoup de gens de passage, hein, des mendiants, des routards, et ils en accueillaient souvent, des fois même une dizaine certains soirs. Hein, ils les logeaient et puis ils les nourrissaient. Donc ça l'a beaucoup marqué, ça. C'est une parenthèse que je n'avais pas mis. Il est baptisé le même jour, hein, comme ça se faisait à cette époque. Hein, voilà. Mais voilà qu'éclate la Révolution française. Donc le 2 novembre 1789, il a 3 ans, hein, l'Assemblée constituante déclare la mise en vente de tous les biens du clergé. Les religieux doivent quitter leur couvent et ne doivent plus prononcer de vœux. Quand on voit des choses comme ça, hein, ça se coud quand même l'Église, ça. Hein. Nous, on dit, on se plaint, mais on n'a pas eu de... Bon, hein, on n'a pas quand même de problème de la sorte. En juillet 1790, l'Assemblée vote la constitution civile du clergé. Évêques et curés sont désormais élus par les assemblées départementales et les districts et devront prêter serment à la constitution civile du clergé. Donc vous connaissez ça, hein? Donc ceux qui refuseront seront déclarés réfractaires et n'auront plus le droit d'exercer le ministère. Donc ça fait exploser le clergé, ça. Certains signent, d'autres non. Et les Vianney qui, eux, voulaient rester, les Vianney voulaient rester fidèles à l'Église, et donc ils pratiquaient leur foi en cachette, donc avec les prêtres réfractaires. Ils recevaient les sacrements d'un prêtre réfractaire, et ces prêtres circulaient d'un endroit à l'autre, donc ça se disait plus ou moins dans le secret, évidemment. Et donc, ils assistaient à la messe dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte que Jean-Marie Vianney, j'avais jamais remarqué ça, fera sa première communion. Donc il la fera à 13 ans et recevra la communion d'un prêtre réfractaire. Donc, vous voyez, ça situe déjà. Mais c'est dans ce contexte-là que va naître sa vocation. Donc ce n'est pas tout enfant, c'est à partir de là qu'il se pose des questions. Et donc, et le Concordat va commencer en 1801. Donc il va laisser sa vocation mûrir à partir de là. Mais donc c'est dans un contexte bien particulier qu'est née sa vocation. Et donc, je vous propose une petite méditation rapide, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai mis ça. C'est quand l'Église est le plus secouée par les vents contraires que naissent les plus belles vocations. Donc, dans le contexte d'aujourd'hui, ben, il faut dire à Dieu notre confiance. Hein, voilà. Pour qu'il donne à l'Église les réformateurs, peut-être les saints, et tout ce dont on a besoin pour un renouveau de l'Église dans le monde moderne. Voilà. Il y a peut-être des signes de renouveau dans l'Église. Bon, mais tant mieux. Mais donc Dieu travaille. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez réagir? Puis je vous laisse un petit temps de réflexion pour vous dire, voilà. On dit, il y a moins de monde dans les églises, les communautés vieillissent, il y a quand même des signes
de renouveau, il y a quand même des choses qui se passent, mais quand même, on n'est pas dans une période conquérante ni florissante, mais peut-être que Dieu prépare en secret ou on ne sait pas trop comment. Dieu est avec nous et il faut lui faire confiance. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, vous dites au Seigneur votre confiance. Petite pause. Voilà. Pour ce contexte